Qu'est-ce que tu as? Tu ne manges pas? Il ne faut pas leur en laisser au prix que ça coûte. Ce serait dommage. Je songeais à la petite âne. C'est drôle, j'y pensais même plus. Du moment que tu as pris l'affaire en main. Je me demandais pourquoi, au fond, tes parents étaient hostiles à ce mariage. Les Azevedo valent bien les deux Guilhem. En fait, tu sais bien qu'ils sont juifs. Maman a connu le grand-père Azevedo, celui qui avait refusé le baptême. Non, vois-tu, plus j'y pense, moins je comprends. Même en me plaçant à votre point de vue. Car en fait, tu le sais bien, il n'y a rien de plus ancien à Bordeaux que ces familles juives d'origine portugaise. Les Azevedo tenaient déjà le haut du pavé lorsque nos ancêtres, bergers misérables, grelottaient de fièvre au bord de leur marécage. Voyons, Thérèse, ne discute pas pour le plaisir de... Tous les juifs se valent. Et puis c'est une famille de dégénérés. Rappelle-toi donc de quoi est mort ton grand-père. Et tante Clara? Tu l'as un peu regardé, tante Clara? Tu vas trop loin, Thérèse. Permets-moi de te le dire. Même en plaisantant, tu ne dois pas toucher à la famille. Ce qui ne se voit pas, ce qui ne se sait pas, leur est bien égal à nos familles. Elles s'entendent si bien pourtant ensevelir, à recouvrir leurs ordures. Sans les domestiques, on ne saurait jamais rien. Heureusement, il y a les domestiques. Je ne te répondrai pas. Quand tu te lances, le mieux est d'attendre que ce soit fini. Mais à la maison, tu sais, ça ne prendrait pas. Nous ne plaisantons pas sur le chapitre de la famille. Voyons, Thérèse. Fais pas cette figure. Si tu te voyais. Je m'amusais. Que tu ridicules, mon chéri. Dire que les étrangers voient ça, quelle honte. Et c'est là-dessus qu'on nous juge. J'admirais que cet homme pudique fût le même dont il me faudrait subir encore les patientes inventions de l'ombre.